Alors aujourd'hui, je suis à Minami, à Shigala. Ça se trouve à l'extrémité ouest de la préfecture de Kanagawa, à environ 15 minutes en train de Odawara. Et là, je vais avoir pour à peu près 1 heure de marche jusqu'au temple Saijoji. Daiyuzan Saijoji pour être précis. Et que les habitants du coin appellent aussi Dolyoson. Alors, il faut compter à peu près 1 heure de la gare d'Ayuzan jusqu'au temple si vous y allez à pied. Ou alors un petit peu plus d'un quart d'heure si vous prenez le bus. Alors, ça grimpe non-stop pendant 1 heure, mais le chemin est vraiment très facile. Vous pourrez ainsi profiter tranquillement des innombrables cèdres plantés le long du chemin et aussi, si vous y allez en automne, des couleurs orangées et rouges des érables. Une fois arrivé au pied du temple, enfin du complexe bouddhiste, hein, parce qu'il n'y a pas un seul édifice, il y en a une trentaine, vous avez encore pas mal de marches à monter. Alors je suis enfin arrivé à l'entrée du complexe et comme je vous l'avais dit, bah, c'est pas fini les marches. C'est loin d'être fini. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il resterait encore pas mal de marches à gravir, même une fois arrivé au temple. Et là, ça y est, on y est enfin. Ce sont les toutes dernières marches avant d'accéder au dernier bâtiment du complexe, le Okunoin.
Et c'est parti! En accéléré, parce que sinon on en a pour 3 minutes facile. Et après, pour les courageux, enfin ceux qui ont encore de l'énergie, il y a le chemin de rando juste derrière pour le mont Myojingatake, 140 minutes. Donc ça va, c'est... Bon, ben c'est pas tout ça, mais maintenant il faut tout redescendre. Alors les voyages forment la jeunesse, c'est ce qu'on dit, mais en tout cas, venir au Japon, c'est pas de tout repos. Hein, vous allez marcher. Donc il me reste un peu de temps avant que ça ferme définitivement. Donc je vais de ce pas aller me faire un saut. C'est tout pour cette fois. Autant j'ai fait l'aller à pied, là pour le retour, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un bus qui arrive d'ici 15 minutes et qui va m'emmener à la gare d'Ayusan. De là, je prends un train jusque Odawara. Je change pour aller à Fujisawa pour aller travailler. Bon, alors, je vous laisse la dernière vue sur les cèdres. Et je vous retrouve pour la vidéo sur les traces de Kintaro ou alors sur celle d'Odawara. Je ne sais pas encore. Allez, à bientôt!